Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, petite rando pour aller au lac du Crozet. Alors, le lac du Crozet, il y a différents moyens disais-je, d'y arriver. Il y a la partie pour les gens normaux qui, à savoir, viennent pour faire de la randonnée. Et il y a la partie pour les gens qui viennent en voiture. C'est-à-dire qu'à peu près 300 mètres plus haut que par où on est venu, mais il y a un superbe parking avec tout le monde qui est garé et qui ne s'emmerde pas. Vous constaterez que nous avons un nouvel acolyte qui nous a rejoint. Critère de sélection, il est aussi con que nous en fait. Donc en fait, petit chemin là et on arrive normalement au lac du Crozet qui est superbement joli et il y aurait moyen de prendre des jolies photos puisque le ciel a l'air assez bleu aujourd'hui. Alors voilà les deux cons devant qui veulent pas être filmés. Et pendant un instant, donc, on continue la montée vers le lac du Crozet. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de cailloux, mais c'est super agréable comme petite randonnée. Donc, la première partie, je vais vous regarder un petit peu. La première partie était très, comment dire, pentue. Et là, ça devient plus accidenté que pentu. C'est plat, quasiment. Il y a un léger faux plat montant, mais c'est pas mal accidenté. Et hop, un petit trou. On tombe sur ça en termes de vue, plus ou moins. Voilà. Et c'est vachement agréable comme petite randonnée. Par contre, il y a pas mal de monde puisque c'est un des lacs les plus beaux du coin, je pense. Il y a quand même pas mal de monde, donc c'est un peu dommage. On croise beaucoup de gens. On doit dire pardon tout le temps, on doit dire bonjour et tout. C'est chiant. Et donc voilà. Donc là, je vais vous laisser parce que sinon, je vais me recasser la gueule comme la dernière fois. Et on vous reprend un petit peu plus tard. Normalement, il nous reste à peu près 1 heure d'ascension. On l'a fait à un rythme un peu plus soutenu que d'habitude, justement pour se faire le cardio, puisque c'est une rando entre guillemets facile. Et voilà plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire. À tout à l'heure. Nous arrivons donc au sommet, ou presque, enfin là où il y a le lac. Et normalement, tadam, c'est tout joli. Donc évidemment, il y a vachement de vent, alors je vous cache comme je peux avec le micro avec la main. Et voilà donc ce superbe petit lac du Crozet. Bonjour Laurent. Et la vue de l'autre côté qui nous amène donc ici. Alors le lac du Crozet, si je vous dis pas trop de bêtises, on doit pouvoir passer sur un petit mur en béton qui est de l'autre côté. Talon, talon, qui est sur la gauche. Donc là il y a une petite maison. Alors c'est de la vidéo faite à l'arrache puisqu'on ne voit pas le petit mur truc en béton depuis ici. Donc on va traverser. Talon, talon, talon. J'aime pas couper les vidéos au montage, ça sert à rien. Alors là, comme ça, on est peinard, on fait tout ensemble. Hop, et voilà. Donc pour traverser, il faut passer sur le petit truc de béton. Chose que nous allons faire. Alors juste avant de traverser, vous constaterez que le barrage n'est pas du tout en train de péter avec les petits trucs de partout. Et nous, on va passer bah, tout simplement dessus, gentiment. Hop, hop, pépère Albert, tout doux gilou. Tranquille et mille. Et il y en avait une autre avec Nestor, mais je m'en souviens plus. Donc voilà, ben on passe gentiment sur ce petit lac. Ceux-ci sont mes pieds. Pépère, pépère, pépère. Voilà donc de l'autre côté, avec des gens qui pêchent normalement. Et donc là, c'est vraiment trop calé. On est pile au milieu et on voit tout, ben en fait en bas, vous voyez, vide. Et petit passage sur notre ami le lac. C'est quand même calé, je trouve. Ça me fait marrer. Voilà, donc en s'amusant à jeter des cailloux sur le bord du lac, nous sommes ici donc au lac du Crozet. Comme je vous disais tout à l'heure, on y est arrivé, là il y a eu un peu de vent, ça s'est levé gentiment, c'est un peu plus stylé. Si vous regardez par là-bas, le cadre est vraiment enchanteur, c'est le cas de le dire. Donc petit ciel bleu plus ou moins, avec un petit caillou, etc. Et nous on va essayer de monter en haut, là-bas, au col de l'Apra, gentiment, pendant que Christian et Laurent s'amusent à jeter des cailloux dans le lac. Et voilà, on vient d'arriver au sommet du col de l'Apra, donc avec le petit lac du Crozet qui est juste en bas, des petites brebis qui sont juste derrière nous et qui têtent bizarrement, c'est pour ça que vous entendez un bruit bizarre. Randonnée donc très facile, à la portée vraiment de tout le monde, très agréable, très jolie, il faut mieux la faire quand il fait beau puisque vous avez une très belle vue depuis le lac du Crozet. Et grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne fin de journée. Ciao ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Elle tourne. Il est trop con à jeter des cailloux.